Alors voilà, notre grand moment va arriver. Au fait, la conférence va durer 50-55 minutes, puis nous allons faire une pause de 10 minutes pour vous laisser réfléchir sur ce thème et préparer vos questions. Il y aura une période de 10 minutes pour répondre aux questions. Vous avez des papiers jaunes et des crayons sur chaque table et vous pouvez donner, préparer, écrire vos questions et les remettre à la table de l'oratrice qui aura le temps de les regrouper parce que je pense qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Alors, qui est notre oratrice ce matin? Eh bien, c'est Diana Ferrero qui est suissesse avec des origines autrichiennes et italiennes. Diana a fait au début de sa carrière une école de physiothérapie à Lausanne. Ce qui l'intéresse, c'est l'être humain dans sa globalité, corps, âme, esprit. Ainsi, elle part à la recherche de la médecine parfaite pour soigner en douceur ses patients. Dans cette quête, elle avance de découverte en formation, de séminaires en pratique, de cours en stage. Et sans s'en rendre compte, elle met le pied dans un véritable engrenage qu'elle ne peut arrêter. Ses succès, puisqu'elle a pratiqué dans des sphères les plus réputées, dans des établissements médicaux, dans des équipes sportives, elle a fréquenté des psys de renom, des professeurs émérités, et sa passion dévorante pour l'être humain l'amène toujours plus loin. Elle cherche à comprendre pourquoi, malgré tout, ses patients ne guérissent pas durablement et restent souvent dans la dépendance du thérapeute. Elle-même aussi sentait qu'elle vivait dans un stress permanent et qu'avec toutes ses différentes thérapies, elle n'arrivait pas à trouver la paix. Diana était dans une quête perpétuelle d'aller toujours plus loin pour découvrir quoi ? Certainement la pièce manquante du puzzle. Lors d'une de ses nombreuses formations, parce qu'elle en a connu et pratiqué plus d'une vingtaine, elle retrouve une personne avec qui elle avait, 30 ans plus tôt, commencé ses recherches. Et cette personne lui dit « Alors, tu cherches toujours ?» Et il lui tend une brochure. Diana est interpellée. Elle ne comprend pas. Je vais vous laisser avec Diana qui va vous révéler son chemin de vie et ce qui s'est passé pour elle. Mettez-vous à l'aise pour pouvoir l'écouter. Vous pouvez retourner vos chaises si vous le désirez. Eh bien, bonjour à toutes. Bonjour à celles que je n'ai pas pu saluer personnellement. C'est un grand privilège. Et c'est très émouvant de voir ce parterre avec une brochette de personnes si importantes. Je salue au passage les personnes à qui j'ai déjà montré ma joie de les retrouver dans un contexte bien différent que celui dans lequel je les avais connues il y a quelques années. Merci parce que vous m'accueillez avec gentillesse et puis vous allez voir ma vulnérabilité parce que c'est une première pour Morge à nouveau. Une grande responsabilité, c'est vrai aussi. Enfin, je vais mettre mon meilleur et surtout c'est le Seigneur qui va faire toutes choses, à qui je rends grâce et que je remercie de m'avoir éclairé, de m'avoir amené ici. C'est précisément il y a 4 ans aussi que j'étais venue pour la première fois ici, dans cette salle, où j'ai vu un nombre impressionnant de femmes. Je venais de rencontrer le Seigneur et je ne pouvais pas penser qu'il y ait autant de femmes qui s'intéressent à un témoignage. Et nous avions Rita, qui est aussi ici, qui parlait de la Samaritaine. Et c'est vrai que c'était le premier petit déjeuner contact. Merci à Rita, ça a été une magnifique découverte. Je suis aussi ici grâce à, il faut que je le dise, un journal qui était Concept Femme, qui a bien voulu venir m'interviewer. C'est un journal qui s'occupe de
de reportages sur la chrétienté, sur les témoignages de personnes, mais surtout de femmes. Et c'est par ce truchement-là que Verène Federici a pu connaître mon message, a pu connaître mon parcours de vie. Voilà pourquoi aussi je suis là. Donc, merci à tous ceux qui ont contribué à ce que je puisse être ici et surtout être un instrument du Seigneur. C'est surtout ça qui m'importe. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire et c'est pourquoi je vais lire assez de choses. Je préfère avoir le contact direct, mais d'abord ma passion, vous allez le découvrir, je suis une femme passionnée et les passionnés ont besoin de... Vous savez, comment est-ce qu'on dit ça? Vous êtes toutes des mères, vous savez, quand on a des enfants passionnés, on a besoin de mettre des cadres, on a besoin de mettre des balises. Alors, ma balise aujourd'hui, c'est mon texte. Et je vous prie de m'excuser d'avance si je m'y réfère très souvent. Ce 28 avril, eh bien, le titre était un peu audacieux et bravo d'avoir osé venir. La médication ou les médications parallèles à la médecine de Dieu, ça aurait aussi pu être un autre titre. Et il était vrai que l'embarras du choix y était. Et un autre titre que celle qu'on me proposait ou que nous avions discuté aurait pu être du stress à la paix. De la compétition au service, de l'orgueil à l'humilité. Voilà. Alors, je viens d'un arrière-plan familial plutôt bourgeois, d'homme d'affaires. Et nous avions une famille de 4 enfants, 2 frères et 2 sœurs, plus moi, bien sûr, 5. Et les buts édictés de la famille étaient plutôt la performance, le paraître, plutôt paraître qu'être. C'est vrai que l'importance matérielle était présente, matérielle, financière. Mes hobbies, c'était le sport, surtout le ski, ski nautique. Ski, j'étais terrible parce que je skie à marche arrière. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ça vous donne déjà la passionnée que j'étais. Je ne skiais pas à l'avant, mais je skiais marche arrière. C'était magnifique. Ski nautique, plongée sous-marine, équitation. Ce que je préférais, évidemment, ça vous montre mon originalité. Enfin, merci Seigneur. J'aimais spécialement monter en Amazon. C'est pas courant, plutôt qu'à Califourchon. Donc, vous voyez qu'il y a déjà des signes très particuliers que le Seigneur avait déjà mis en moi. Musique, j'ai fait le conservatoire de piano, de la peinture. J'aime la décoration d'intérieur, la cuisine, j'ai appris à cuisiner et même à piloter un avion. Quel type d'amis je fréquentais? Eh bien, du boulanger au prince. Ce que je pensais de moi, eh bien, je devais être parfaite, performante. Je devais me débrouiller en toute chose. Ça, c'était important. Je voulais me débrouiller et avec tout ce que j'avais appris, je croyais que je pouvais. Je me trouvais pas très bien faite. J'aurais voulu un reloucage, j'aurais voulu quelques retouches, mes oreilles trop petites, mes épaules trop larges, mes prises de poids trop fréquentes. Voilà l'image que j'avais. En fait, je ne m'aimais pas vraiment. J'étais complexée, j'avais un complexe d'infériorité, j'étais mal dans ma peau, c'est vrai. La vie religieuse que j'avais, c'était une vie de 4 ans d'internat chez les sœurs de Saint-Joseph d'Annecy, des sœurs catholiques. Et les 16 prières par jour, pendant 4 ans, me faisaient croire ou penser ou être même persuadée que j'avais un acompte suffisant dans le ciel pour le reste de mes jours. J'étais une enfant terrible à l'internat aussi. On me reprenait très souvent. Je dansais dans les couloirs. C'était pas permis. Mon opinion de Dieu, avec tout ça,
Eh bien, c'était un père fouettard avec une barbe cachée très haut dans le ciel. C'est comme ça que je le pensais. Mon opinion de Jésus, je n'en avais aucune, puisque c'était le petit Jésus de Noël dans la crèche, où je le voyais suspendu à une croix. Je ne comprenais pas, puisque j'avais aussi entendu qu'il était vivant. La résurrection, j'avais quelques bribes de connaissances, mais très vagues. Les prières, eh bien, c'était des recettes un peu recuites, de paroles dites, dans un cerveau bien entraîné, je les connaissais par cœur. Le cœur n'y était pas. Ma vie scolaire, elle était très difficile puisque j'étais dans un bilinguisme et je n'aimais pas vraiment les mathématiques parce que il y avait un professeur qui ne m'aimait pas et appuyé par un père qui confirmait que je ne serais pas capable de compter, voyez ce que ça peut donner. Mes défauts, c'est mes élans d'égoïsme. Je voulais être reconnue, avoir, posséder pour moi, attirer mon l'attention sur moi. J'étais rebelle et même agressive parfois. En plus, je mentais. C'est clair. Avec des blessures, avec une attitude, celle que je viens de vous décrire, eh bien, il fallait que je sauve la face très souvent. Mes qualités, je consolais. Et étonnamment, j'ai retrouvé des collègues d'internat qui m'ont rappelé, qui m'ont dit « Mais tu te souviens, aux récréations, tu venais me consoler. Ah, tu me racontais des choses pour que j'arrête de pleurer. J'avais oublié. » Mais là, le sceau de Dieu déjà était sur moi. Et c'est vrai que j'aimais consoler. Mais j'aimais consoler et j'aimais soigner déjà. Parce que lorsqu'un oiseau, un animal était blessé, je le soignais, je m'improvisais des attelles aux pattes des oiseaux avec de la farine et de l'eau. Et ma mère récemment me rappelait qu'elle m'avait offert un petit costume d'infirmière que je ne quittais pas jour et nuit. Donc, il devait y avoir des attitudes bien précises qui étaient déjà inscrites. La Bible, eh bien, je ne la connaissais pas. Ou que des bribes pendant les offices religieux ou le catéchisme scolaire. Les parties de rire étaient spécialement réservées au moment de catéchisme à l'école. Je me souviens de cela. Et nous étions enfermés dans des armoires par les religieuses si on débordait les cadres acceptables. Mes péchés, mes négligences, mes faiblesses. Eh bien, vous savez que, comme dans le monde animal, un animal qui est blessé, je pense au chevreuil, je pense au sanglier, lorsqu'il est blessé et qu'on s'en approche, il charge, comme on dit. Eh bien, moi, j'étais un animal blessé. Par les coups de griffe de la petite enfance, involontaire, de mes parents, par tout ce qui se passait dans ma jeunesse. J'étais donc blessée, il fallait bien que je trouve un moyen de me soigner. Et pour complaire à l'autorité familiale, j'ai été formée pour devenir secrétaire de direction, mais mon cœur était aux soins. Après quelques examens psychotechniques, je débutais l'école de physiothérapie et me spécialisais dans la branche mère-enfant. La psychopédagogie obstétricale, la néonatologie, la gestion de l'identité de la femme. Plus j'avançais dans le secteur, plus je constatais que les éléments me manquaient. Et vraiment, je n'étais pas efficace thérapeutiquement avec toutes les techniques que j'avais apprises.
C'est alors que je me suis penchée sur des thérapies dites complémentaires ou alternatives ou parallèles, selon les vocables qu'on veut utiliser, telles que sophrologie, hypnose, la gestalt, l'expression corporelle, la danse, l'expression orale. Je suis allée voir la médecine chinoise. J'ai passé 10 ans à étudier la médecine chinoise. L'homéopathie, j'ai préparé des granules. L'aspagyrie, j'ai touché à l'anthroposophie de Rudolf Steiner, au training autogène de Schulz, aux gouttes du Dr Bach, au yoga, aux techniques de visualisation de tout type, les méditations transcendantales, le pendule, le tarot, la réflexologie, l'astrologie m'intéressait, le qigong, toutes les techniques orientales, tai chi, reiki, techniques des thérapies avec les couleurs, la kinésiologie. Soit j'ai pratiqué, soit j'ai subi, en tout cas j'ai approché, j'ai touché. Et plus j'étudiais, moins je savais. Parce qu'une fois que j'apprenais et que je pratiquais ces techniques, je me faisais un point d'honneur de le faire sur moi, parce que je ne voulais pas que ce soit pas possible, que ça ne joue pas. Donc je l'ai pratiqué sur moi et ensuite sur mes patients. Et c'était toujours insatisfaisant. Il me manquait toujours les éléments principaux, c'est-à-dire la pièce qui me manquait de guérison. Mes patientes ne guérissaient pas et elles me retrouvaient partout, toujours. Et il est vrai que je luttais contre deux fléaux, celui de la dépendance, dépendance thérapeutique, mais aussi dépendance médicamenteuse. Et justement, le deuxième point, c'est que je ne comprenais pas pourquoi mes patients ne guérissaient pas avec toute cette palette de possibilités que je leur offrais, les unes plus sophistiquées que les autres. Il me manquait des clés. Le patient, pour moi, devait être guéri une fois pour toutes. Et je me demandais, mais pourquoi est-ce que ces personnes... Alors, je vais essayer de faire plus fort. Je suis navrée. Je me disais, mais comment est-ce que c'est possible que certaines personnes ont tant besoin de soins, tellement besoin d'être soignées? Et d'insatisfaction à une autre, je me disais, il faut que j'aille chercher vraiment encore plus profondément. Et je suis allée chercher dans la mémoire cellulaire. Je me suis remise à étudier la mémoire cellulaire. Je me suis dit, là, je trouverai certainement, sûrement, une solution. En tous les cas, une réponse à ma question. Et c'est là où nous sommes restés accrochés à la présentation de Vérène, qui disait, cet étudiant me tend ce petit fascicule. Et ce fascicule, figurez-vous, donnait le titre suivant, Les hommes d'affaires du plein évangile. Quelle discordance! Hommes d'affaires, je connaissais, j'ai vu ce que ça donnait. Plein évangile, ça sentait Dieu. Mais plein, je n'avais jamais entendu qu'on pouvait avoir un plein évangile. Et le Seigneur, dans sa bonté, utilisant ma curiosité, puisque je l'avais déjà, il m'a fait vraiment aller voir qu'est-ce qui se passait là derrière. Et j'étais invitée par les hommes d'affaires à venir voir ce que c'était. C'était très spécial. On m'invite un 14 février, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, 2001, à une adresse pas spécialement de bon quartier, à une heure
où normalement on se met à table avec délectation, pour un moment de jeûne et prière. Bon, j'avais voulu voir, ma curiosité aidant, je ne reculerai pas, j'y vais. J'arrive dans la pièce, il y avait des messieurs qui arrivaient, qui défilaient avec des petites mallettes. Vous savez, ces petites mallettes en costume, comme des pingouins, très bien stylées, la petite mallette, mon Dieu. D'ailleurs, des dollars, ici des euros, ici des... Enfin, je me faisais un cinéma en les voyant arriver, je me disais, mais où est-ce que je suis arrivée? Qu'est-ce que je fais ici? Et il me prie de m'installer, et il commence à lever les bras. Je dis, mais ils incantent quelqu'un? Moi qui avais fait du tarot, qui avais fait tout ça, on parlait d'esprit, évidemment. Il levait les bras, il priait. Mais c'était étonnant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'était impensable. Et je n'avais jamais entendu des hommes prier. Je les regardais. Vraiment, je ne savais pas où j'étais. Et de plus en plus, j'entendais leurs paroles. Leurs paroles étaient sensées, étaient extraordinairement douces. Ils demandaient de l'aide à Dieu, le Dieu de Jésus. Oh, je sentais que quelque chose se passait en moi. J'avais les mains moites. Je commençais à me sentir un peu bizarre dans mon corps. Et en voyant ces hommes, une grande émotion m'envahit. Moi qui savais par l'hypnose, par des techniques sophroniques, me maîtriser, je ne pouvais plus me maîtriser. Les larmes coulaient. Je trouvais ça extraordinaire. Quand en plus, un de ces messieurs, les yeux fermés, crie au Seigneur, montre-lui que ce qu'elle cherche, c'est toi. Qu'elle cesse ses études, qu'elle cherche vers toi et non pas dans ses études. Ça suffit, ses diplômes. Je me voyais avec mes formations, mes diplômes. Mais il parle de moi, ce monsieur. Mais je ne le connais pas. Et plus il priait, plus ça me concernait. Moi, j'avais contrôle sur moi. Je pleurais. Ça me touchait, mon cœur était brisé. D'entendre ce qui se passait, c'était tellement correspondant à moi. Et la séance se termine et le président des hommes d'affaires du plein évangile me demande s'il peut faire quelque chose pour moi en voyant mon état. Le pauvre, il était désolé et à la fois je pense que c'était une stratégie extraordinaire du Seigneur. Je dis oui, faites quelque chose, ça ne m'est jamais arrivé de ne pas savoir me maîtriser, regardez l'état dans lequel je suis. Puis il me dit, est-ce qu'on peut prier pour vous? Je dis oui, bien sûr, vous pouvez prier pour moi. Et là, cette prière a été extraordinaire. C'était normal que je me repente. C'était normal que je pardonne, que je sois pardonnée. Quelque chose du surnaturel, de ce que je n'avais jamais vécu, s'est passé dans mon cœur. J'ai donné mon cœur au Seigneur. Et c'est un bouleversement complet qui s'est passé dans tout mon être. Vraiment, vous savez, un bouleversement, quand on dit bouleversement, la boule terrestre tourne dans un autre sens. Comme des écailles sont tombées de mes yeux. Mais où étais-je? Qu'est-ce que j'avais fait? Mais j'étais dans les ténèbres. J'étais dans les ténèbres. Je servais un royaume, le royaume de l'ennemi de Dieu, de l'ennemi de l'homme. Et je ne m'en étais pas aperçue. Je ne savais pas. Tout est devenu clair en quelques instants et bouleversement à tout point de vue,
recevoir le Seigneur et j'acceptais. J'acceptais de voir ce que le Seigneur me montrait. J'avais fait le mal que je ne voulais pas. Ça a été un moment émouvant, très très émouvant. Et ces messieurs qui priaient étaient aussi vraiment un attouchement tellement fort du Seigneur. C'est vrai que les mots que je vous relate ne sont pas forts par rapport à mon vécu, mais c'est presque pas possible de donner ce qui s'est passé en moi. Et la pièce de puzzle qui me manquait, me dit le Seigneur, c'est moi. Tu peux chercher longtemps, c'est moi que tu cherchais. Faute de connaissance, mon peuple meurt, me dit-il, et tu soigneras mon peuple. Je n'ai rien compris, je dis, Seigneur, c'est moi qui ai besoin de soins. C'est moi que tu dois soigner d'abord, parce que j'étais en stress permanent, vous l'avez compris. Je cherchais ce qui me manquait. Ce vide dont parle Pascal, ce vide en forme de Dieu, c'était ce que je cherchais. Et depuis ce jour-là, ce qui s'appelle la conversion, j'ai vraiment fait un 180 degrés, à tout niveau. J'avais un cabinet, j'ai donné les clés au Seigneur en disant, Seigneur, je ne fais plus rien sans toi. Et ça a été un début de merveille, de bouleversement aussi, parce que je ne m'étais pas aperçue que j'étais dans les ténèbres. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, vous savez, c'est les grands phares, plus fort que ça, ce grand phare qui vient et qui met les lumières sur tout ce qu'on a enfoui, oublié, caché. Et j'ai passé un temps de repentance à genoux devant le Seigneur en disant, montre que je puisse demander pardon pour tout ce que j'ai fait. Et ça a été un chemin extraordinairement riche de connaissances, puisque je me suis mise à lire la Bible que je ne connaissais pas, jour et nuit. Je ne savais plus à quel moment nous étions, mais j'ai avalé ce livre. Et j'y ai trouvé vraiment tout ce dont j'avais besoin. Toutes ces approches médicales, paramédicales. Mais en fait, tout était ici dedans. C'est un concentré de médecine, de psychologie comportementale, de santé physique, morale. Il y a tout ici dedans. Et pour moi, ça a été un cadeau hors du commun. Et ça a bouleversé mes comportements, bouleversé. Et le Seigneur a guéri, a beaucoup guéri de toutes mes attitudes, de mes blessures, dont je vous faisais un petit peu office à mon précédent récit. Que dire de plus à part que j'invitais le Seigneur à prendre place dans ma vie, en tout, que je ne laissais pas une place à l'ennemi qui m'avait volé. Parce que l'ennemi, lorsqu'on touche à ce genre de produits, comme ceux que j'ai cités, eh bien, il a des droits. Il a des droits légaux sur votre vie. Et il ne s'est pas gêné de le faire avec moi. Il a volé ma vie physique, ma vie affective, familiale, parce que je servais. Je servais son royaume, le royaume des ténèbres. Et ça a un prix. Lorsqu'on vous donne quelques gratuités, lorsqu'on vous fait quelques faveurs. L'ennemi a essayé plusieurs fois de prendre ma vie. L'ennemi séduit, que vous le sachiez. Ça paraît magnifique, ça paraît anodin, ça paraît doux. Toutes ces techniques, elles ont une approche humaniste, ou presque toutes.
je ne veux pas généraliser, mais très souvent l'approche est tellement douce et c'est une imitation, c'est un leurre. C'est un leurre parce que nous avons tellement besoin d'amour, tellement besoin de douceur, que nous nous laissons prendre par cela. Vous savez, l'ennemi va prendre, disons, faisons un exemple, c'est comme l'ennemi fait de la façon la plus subtile. Il prendrait par exemple une grenouille, la mettrait dans l'eau tiède ou dans l'eau température ambiante et la ferait chauffer. La grenouille s'endormirait sans se rendre compte que la température a changé et elle se ferait cuire. Ben voilà, j'étais cette grenouille-là. Je me suis faite cuire et gloire à Dieu, ce n'était pas définitif. Toute la gloire lui revient. Mais c'était vraiment très loin où je suis allée dans les ténèbres. J'aurais tant de choses à dire, mais je poursuis, comme je vous ai dit, mes balises. Pour revenir à ce grand phare dont je vous parlais, il est vrai que là, la Bible nous donne des indications tellement claires. Et j'ai retrouvé dans Luc 8, 17, ce verset qui dit « Car il n'est rien de caché qui ne doive venir au grand jour. » Eh bien, c'est ça. C'est ça. Tout doit venir au grand jour. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. J'ai passé donc des lois des ténèbres aux lois de Dieu, aux lois du ciel. Dans Deutéronome 18, pour celles qui ont leur Bible, Deutéronome 18, 10, j'ai retrouvé effectivement ce que dit Dieu, l'Éternel, qu'on ne trouve chez toi, vous le savez toutes, on ne trouve pas ni magie, et on ne fasse pas passer les enfants par le feu, et qu'on ne trouve personne qui parle aux morts. Après ce temps de repentance, je crie à Dieu en disant « Mais Seigneur, maintenant forme-moi, puisque j'étais déformée, donne-moi la possibilité d'être formée, mets-moi des personnes adéquates. » Et surtout, mon cri était d'avoir des gens qui connaissaient l'être humain dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Et il m'a fait la grâce de rencontrer un homme que j'apprécie beaucoup, qui est le docteur Bruce Thompson et sa femme, Barbara. Et j'étais reformée, remodelée, à la lumière de la médecine chrétienne. Pendant 3 ans, le Seigneur a œuvré et j'ai aussi crié à lui puisque j'avais trouvé dans la Bible qu'on pouvait avoir des démons, qu'on pouvait avoir des mauvais esprits avec tout ce que j'avais touché. C'était clair que je devais en être pleine. Et je lui ai demandé de m'orienter auprès des personnes adéquates pour me libérer, ce qu'il a fait. L'ennemi fait des œuvres qui lui trompent. Il a cru être vainqueur avec moi. Eh bien, c'est Dieu qui est vainqueur, puisqu'il utilise maintenant, le Seigneur, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait pour avertir son peuple, parce que Dieu nous aime. Dieu veut que nous soyons sauvés. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser comme on est. Il veut nous changer, il veut nous affûter, il veut nous rendre attentifs. Il veut que nous soyons les enfants. Et c'est vrai que le verset d'Osée, Osée 4, 6, « Faute de connaissance, mon peuple périt. » C'est vrai que le peuple de Dieu n'est pas averti des subtilités de certaines techniques. Je ne parle que de l'homéopathie, par exemple, qui semble être anodin, mais qui ne l'est pas du tout. Aujourd'hui, je suis disponible pour le Seigneur et il me donne à cœur les femmes pour pouvoir m'en occuper selon son cœur.
toutes les blessures émotionnelles, les cœurs blessés, toutes les fausses identités, toutes les séparations, séparation du père, séparation plurielle. Il me donne d'écouter les femmes et de leur faire passer un bout de chemin pour rencontrer cet amour. Cet amour qui est unique et sans lequel nous ne pouvons pas, nous perdons, nous ne pouvons pas vivre. Un avertissement, la Bible nous le dit. Aussi, soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Résistez-lui avec une foi ferme, dit 1 Pierre 5, 8. C'est vrai. Aujourd'hui, je peux le dire, soyez vigilante. Les tentations, les séductions sont telles dans tous les domaines. Et par la grâce de Dieu, puisque j'y étais dedans, je le reçois et je le sens très vite. Et merci Seigneur, parce que je n'étais pas très contente au départ de me rendre compte que j'avais fauté autant. J'étais très coupable, je me disais, mais Seigneur, tu m'as laissé aller toucher dans des choses épouvantables. Et dans sa bonté, le Seigneur me disait, bien sûr, parce que il y a parfois des passages obligés, et ce passage, c'est pour que tu puisses servir mon royaume. Et maintenant, tu sais comment séduit l'ennemi. J'étais blessée de rejet, vous l'avez compris, j'avais des peurs, des angoisses, j'avais des excès de toutes sortes. Et même mon corps a été guéri par l'intervention du Seigneur. Je voudrais dire que la Bible, au contraire de la science, ne change pas. Je cherchais la science. Je cherchais énormément de choses et ça fluctue. Les techniques changent, mais la Bible, elle ne change pas. C'est une valeur sûre. J'aurais envie de donner une conclusion toute simple, mais qui est tellement réelle et qui a été la conclusion de ma vie. Je cherchais. Et la Bible le dit. On le trouve dans Luc 11, 9. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouvez. Et si quelqu'un aujourd'hui a été interpellé par ce que j'ai dit, qu'il se mette à la lumière du Saint-Esprit pour voir si elle l'a touché à quelque chose qui a été nommé ou peut-être pas nommé. Pour faire son regard avec le Seigneur. Comme je vous dis, rien n'est anodin. Dès qu'on touche aux ténèbres, on paye le prix. Voilà, c'était mon petit message. J'espère qu'il y aura des questions, j'en suis même persuadée, et qui étofferont peut-être d'une façon un petit peu plus précise ce qui est dans votre cœur. Avant de conclure, je voudrais aussi vous dire que ce qui est important, ce n'est pas une religion. Mais c'est une relation à Dieu. Et j'ai dû le comprendre par la force des choses. La relation fait toute la différence. C'est le secret des victoires. C'est la source d'où jaillit la puissance spirituelle, la force pour l'âme et la vigueur pour le corps. Voici la médecine de Dieu. Merci. Je présente encore quelques livres que je propose pour s'informer un peu sur ce qui s'est passé dans mes formations, et notamment je présente le livre du docteur Bruce Thompson, Les murs de mon cœur, qui est un livre vraiment qui peut vous montrer dans quel truchement psychologique et blessure vous pouvez vous trouver. Un très bon livre de compréhension et aussi d'approche du royaume. Vaincre le rejet, je crois que je n'ai rarement rencontré quelqu'un qui n'ait pas vécu un rejet. De Frank Hamon.
un petit livre facile, à comprendre combien, quand je rejette quelqu'un ou je suis rejetée, combien je laisse la place aussi à l'ennemi parce qu'il y a des racines d'amertume qui viennent. Et ça empoisonne la vie. Touchée par le père, par le couple Franck et Catherine Fabiano, qui ont une approche magnifique sur la lumière du Saint-Esprit, comment les blessures d'enfance ont été découvertes et comment est-ce qu'on peut les soigner, simplement. Est-ce que vous êtes disponible quelques petites minutes? Alors d'abord, merci pour l'intérêt que vous avez porté au sujet. Il est vrai qu'il est brûlant, brûlant, brûlant. Et merci d'ouvrir vos cœurs. Merci de vous ouvrir au Saint-Esprit. C'est vrai que les questions sont pertinentes. Il ne sera pas possible matériellement de répondre à toutes ces questions parce qu'il y a masse. Je vous montre plus ça. Mais il y a quand même une prédominance dans les demandes au sujet de l'homéopathie. Il y a certaines questions, je ne pourrais pas y répondre ici, mais si vous avez de la patience et si vous êtes intéressé à avoir un petit peu plus de précision, vous pourrez vous approcher de moi tout à l'heure. Mais je ne promets absolument pas que je resterai jusqu'à 6 heures ce soir, parce qu'il y a de la matière pour quelques jours. L'homéopathie. L'homéopathie est une approche dite douce du similaire. L'idée de l'homéopathie, qui a été créée par Hahnemann, un médecin allemand, était de prendre une pathologie similaire dans sa médication que l'effet. C'est un peu complexe, mais c'était sa manière de faire. Je donne du poison pour que le corps réagisse au poison. En fait, il voulait stimuler les systèmes immunitaires. L'idée en soi d'aller doucement n'est pas mauvaise avec le corps et de stimuler. Nous savons que ce genre de réaction, la peau là, lorsque vous vous égratignez, vous avez une petite couche ou une petite pellicule, vous l'avez déjà vu, un exuda comme on l'appelle, ou une substance qui peut être de la lymphe, vous connaissez tous la lymphe, qui fait qu'il y a une protection qui se fait. Mais ça, c'est effectivement créé par Dieu. C'est notre Créateur a fait notre corps de façon si parfaite, si extraordinaire, qu'il a prévu même les égratignures et même les immunités. Alors Hahnemann, pour en revenir à lui, qui lui alors n'est pas allé chercher au Créateur, mais il est allé chercher une puissance ailleurs, et notamment en faisant ces petites granules avec des potentialités augmentées. Plus la potence augmente, moins la substance est dans le produit, ce qui n'est pas documenté médicalement. On a fait des recherches, on ne trouve plus de produit dans la granule d'homéopathie à haute dilution. Donc déjà, il y a de la fiction. Si je peux vous parler comme ça, c'est parce que j'ai touché, parce que j'en ai fait. Sur le personnage, déjà lui-même, Hahnemann était un franc-maçon. Alors, pour qui connaît ce que c'est que la franc-maçonnerie, et pour celles qui ne connaissent pas, c'est qu'on maudit Dieu. À la 30e loge, on maudit Dieu. Et dès l'entrée en la franc-maçonnerie, on n'appartient plus à Dieu, et surtout pas à Jésus. Donc vous pouvez imaginer qu'une technique donnée par quelqu'un qui maudit Dieu, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle a été bénie? Est-ce qu'elle a été entourée de bonne diction? Bénédiction, bonne diction. Ou est-ce qu'il y a de la malédiction? Si nous comprenons les deux termes, malédiction, maladie, bénédiction, bonne diction. Là, on a déjà un vocable bien clair. Donc Hahnemann, du reste, sa finale, entre parenthèses, lorsque vous utilisez quelque chose, un produit, regardez la vie des gens. Il a fini atrocement,
dans une débilité, dans une décadence hors du commun. Essayez de voir ce qu'il y a derrière les choses. Qui est derrière l'objet? Qui est derrière la technique? Un émane n'était pas à Dieu, mais à Satan. Donc, est-ce qu'on peut, de par ce fait, dire que l'homéopathie pratiquée par des chrétiens est une bonne homéopathie? Est-ce que vous savez me répondre avec ce que je viens de vous dire? Bien sûr que non. On ne peut pas dissocier une philosophie d'une substance. Je sais que ça en déçoit beaucoup, parce que c'était un petit peu les clins d'œil qu'on me faisait en me disant « mais un tout petit granule, ça ne fait pas grand-chose ». Oui. Un tout petit peu dans le monde des ténèbres, ça fait grande chose. Vous payez à la caisse, vous passez à la caisse un jour ou l'autre. Ça paraît anodin, je vous ai dit, l'ennemi nous séduit, c'est illusoire, c'est pas dangereux à voir ni à prendre, même les enfants peuvent en prendre, bien sûr. Il y en a un qui se régale, c'est celui du royaume des ténèbres. N'oublions pas qu'il y a eu la lutte entre la lumière et les ténèbres. Si on regarde la Genèse, on voit aussi que, déjà dans le jardin d'Éden, il y avait la séduction, le serpent était là, et qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Mais est-ce que c'est vraiment interdit? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Puis si vous y touchez, mais vous verrez, vous serez comme Dieu. Vous verrez comme Dieu. L'heure. On doit séparer le créateur de Dieu de sa créature pour rester dans l'ordre de Dieu. Donc l'homéopathie, je l'ai pratiquée, j'ai fait des granules et je peux vous dire que c'est absolument avec des incantations, avec des gestes, des rituels qui se retrouvent dans les temples orientaux. Parce qu'on les secoue d'une certaine façon pour les dynamiser, même si c'est une machine. Parce qu'il y a certains grands laboratoires qui font ça en machine. Bien sûr, mais je viens de vous dire que l'esprit qui est derrière est la chose la plus importante. Et une petite granule a beaucoup d'importance aux yeux de Dieu. Et l'ennemi le sait aussi, parce qu'il va vous séduire. Alors, tenez ferme, résistez, regardez qui est derrière vos petites granules, vos produits. Je vois qu'une main se lève, je ne sais pas si c'est le temps des questions. Comment gérer ça, Vérène? On est censé avoir donné des... Alors, on pose la question, on dit qu'on peut parler de la même chose de la médecine traditionnelle. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la tradition? Moi, je remettrai tout de suite un bémol à ce que vous appelez la tradition. Parce que si j'ai un Père tout-puissant, si j'ai un Créateur qui a fait mon corps, il ne s'est certainement pas trompé dans les schémas qu'il nous a faits, dans les boulons qu'il nous a mis. Si on était une voiture, eh bien, le plus avantageux, c'est d'aller à la marque où on l'a acheté. Hein. Je pense que ça, on a cette logique. Et surtout, nous, les femmes. Bon, on veut faire des économies parfois. C'est là où l'ennemi utilise, hein. On va aller dans une autre marque un petit peu moins chère pour détourner. Mais c'est là où nous le faisons piéger. C'est vrai que la médecine, comme vous dites, madame, qui pourrait être traditionnelle, a parfois la tendance à tirer avec un fusil sur une mouche. C'est clair. Ça a été aussi un de mes modules ou de mes séductions pour aller chercher ailleurs. C'est vrai. Mais voyez-vous, si vous savez qui vous êtes, si vous acceptez que vous êtes un enfant de Dieu, admettons que votre Père est le Créateur, pourquoi ne pas passer d'abord par lui? Lui demander si c'est bon, cette médecine et ce médecin, chez qui vous allez? Parce que nous sommes faits de corps, d'âme et d'esprit. La médication ne fait pas tout, elle peut aider, elle est là pour ça. Dieu n'a pas enlevé les médecins, ni l'intellect, ni les médecins pour nous soigner. Mais je pense que tout excès est punissable. Des chrétiens qui ont une pharmacie qui déborde et que pour chaque mot de gorge, de ventre ou de flatulence à sa petite pastille, c'est tout aussi pernicieux
est aussi dépendant qu'une granule homéopathique, c'est vrai. Je crois qu'il faut laisser les... Nous avons la chance, c'est pas de la chance, c'est de la grâce, d'être sensible et d'avoir un bon sens dans notre genre féminin. Donc mettez le bon sens à votre service et au service de vos bien-aimés. Ça peut aller ? Ça vous convient à moitié ? Une bonne moitié. Eh bien, que le Seigneur me donne la parole pour que l'autre moitié soit satisfaite. Parce que j'aimerais pas que vous sortiez frustrés. Alors, une question à laquelle je tiens beaucoup à répondre. Ne pensez-vous pas qu'en disant que certaines médications parallèles, voire toutes les médications parallèles, sont œuvre de Satan ? Votre discours manque de nuances. Je vous remercie. C'est vrai que j'aurais pu peut-être mettre des gants supplémentaires. Mais avec toute la compassion et tout l'amour que je peux porter à des femmes, ou à vous spécialement aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'ennemi n'a pas mis des gants pour me séduire et pour m'amener 30 ans d'études dans les ténèbres. C'est vrai que je ne lui concède absolument pas un iota. Je ne lui concède plus rien. Et je suis au front. Parce que la séduction avec laquelle il joue avec nous comme un chat qui joue avec une souris. Vous savez, on se coupe bien, on la tape un petit peu dès qu'elle se relève. Il joue avec nous, l'ennemi. Et je crois qu'il faut être très attentive. C'est vrai que des médecines parallèles, il y a aussi, puisque le terme veut dire parallèle, hein, une route parallèle, il y a des médecines d'accompagnement qui peuvent favoriser un état de bien-être. C'est vrai. Mais là aussi, j'allais vous poser la question. Posez-vous devant la personne qui vous propose et demandez qui elle sert, si c'est quelqu'un qui vous la propose. Vous voyez quelle est la philosophie qui est derrière. Tout n'est pas à proscrire, il y a de très bonnes choses. Et j'ai eu la grâce de rencontrer le docteur Kopf, qui est un médecin allemand, qui a eu à peu près le même trajet que moi, thérapeutique, et qui maintenant a son cabinet de médecine qu'il dit alternative, mais chrétienne, et il utilise de très bonnes techniques que j'ai apprises effectivement, mais qui demandent un soin particulier et une hygiène pour savoir comment est-ce qu'on les pratique, qu'est-ce qu'on fait. On peut très bien avoir un massage simple ou bien un massage avec des techniques fluidiques, comme c'est le cas pour l'ostéopathie. Du reste, je réponds aux questions de l'ostéopathie. Il y a deux écoles, en tout cas il y a deux tendances, peut-être plus. Mais celle que je connais personnellement, c'est la tendance ostéopathique locomotrice, c'est-à-dire qu'on travaille sur les chaînes musculaires et sur l'ossature, qui n'a rien de pathologique ou d'occulte. Si la personne ne se voue pas à des compléments de manipulation avec des couleurs, des formes, des cristaux, avec une parole adéquate qui pourrait mettre quelqu'un dans un état liminal, sophro-liminal. Voilà pour l'ostéopathie. L'aromatothérapie a à peu près le même statut. Il y a aussi deux approches. Une approche parce que les plantes sont bonnes. Dieu a fait les plantes. Ne nous y méprenons pas. On peut très bien faire une bonne tisane de thym, on peut faire de la menthe, on peut faire de la sarriette, on peut manger des fleurs, on peut manger des plantes sauvages, délicieuses. À chaque saison, nous avons notre salade. Si vous savez choisir, le Seigneur a fait des salades, a fait des merveilles. Vous pouvez prendre la berce quand elle est toute jeune, vous avez de la pimprenelle. Enfin, vraiment, le jardin du Seigneur est plein de délices. Par contre, si vous prenez des plantes qui ont été élevées sous des sols avec des pendules ou avec des substances ou des cueillettes au lever du jour à 4h05 après le solstice d'été, ou qu'il y ait certaines précautions qui sont prises dites biologiques, regardez qui est derrière.
Dieu ne nous a pas dit, je n'ai pas trouvé un espace dans la Bible où il nous dit, écoutez, prenez ce que les anthroposophes ont fait, parce que c'est mieux de prendre à lune montante les carottes. N'est-ce pas? Il faut être très prudent de cette séduction. C'est vrai que... Demandez de l'éclairage et mettez vos bons sens à disposition. J'ai une question qui a été posée qui me paraît aussi... Enfin, il y en a beaucoup qui me paraissent intéressantes. On peut se perdre dans les médecines parallèles, sophrologie, tarot, et manquer la pièce essentielle du puzzle. Mais je ne pense pas que ces médecines représentent les ténèbres, car elles ont le mérite de soulager, même si elles ne guérissent pas. Et sortent de la création de Dieu. Il y a un petit peu de conscience, anatomie, énergie. Alors, bien sûr que si je regarde au premier plan, certaines techniques améliorent. Il y a des améliorations. Je vous ai dit que, ou peut-être je ne l'ai pas encore dit, mais les ténèbres, selon si vous adhérez à elles, elles vous donneront des petits coups de main. Elles vous aideront, mais vous passerez à la caisse après, ça c'est clair. Mais ce que j'ai vu thérapeutiquement, c'est que les diagnostics ou les mots se déplacent. Ça améliore un endroit, ça se déplace et ça péjore l'ensemble du corps ailleurs. Et ça ressort toujours quelque part. Parce que, je vous répète, nous sommes corps, âme, esprit. Et nous ne sommes pas dissociés un élément de l'autre. Donc si je soigne mon corps et que mon esprit ou que mon âme est blessée, tôt ou tard, les mots vont ressortir. Et je pense que le livre que je vous proposais, là, le Touché par le Père, les mots sont très importants. M-O-T-S donne, s'ils ne sont pas exprimés, des M-A-U-X. Donc, vous pouvez regarder très près. Il y a aussi une question de vérité. La Bible nous dit que la vérité nous rendra libres. Ça m'a affranchi. C'est pas parce qu'on a un thérapeute, une thérapie, que la personne est nécessairement avec de mauvaises intentions si elle pratique une médecine qui n'est pas de Dieu. Mais elle ne connaît pas la vérité. Et ça n'empêche pas d'être sincère, elle fait de son mieux. Mais la sincérité n'est pas synonyme de vérité. Et ça, j'insiste. Vérité, c'est la vérité de Dieu. La parole nous le dit. On me demande, je ne vous lirai pas dans l'entièreté parce que on me demande, j'ai un grand besoin de parler à mon conjoint qui est décédé. Je me réfère à la Bible. Je reprends cette référence de Deutéronome 18, 10. En effet, 18, 10. Hein. Celui qui consulte ou qui évoque les esprits prédisent l'avenir et qui parle aux morts. Ça fait partie des abominations de l'Éternel. Ça veut dire, c'est interdit de parler aux morts. Une fois qu'on est mort, on est mort. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. Les personnes qui ont été touchées ce matin, où peuvent-elles trouver de l'aide? Alors, je crois que vous avez la possibilité de vous adresser aux personnes qui sont à votre table, aux hôtesses, parce qu'il y a de la lecture de la Bible, hein, il y a des séances, il y a des rencontres
pour mieux connaître la Bible. Parce que je pense que c'est une des grandes clés. Tant que je ne connais pas la Bible, la parole de Dieu, je ne sais pas ce qui est juste. Alors adressez-vous à votre thèse pour avoir plus d'informations. Alors une personne me dit que rappelons-nous que nous devons nous enraciner de plus en plus dans la parole de Dieu pour être dans la vérité. Oui madame, tout à fait, c'est ça, c'est ce que nous devons faire. Si nous ne connaissons pas la parole, eh bien nous nous laissons aller à tout vent. Un thérapeute chrétien, est-ce suffisant pour rendre bonne une thérapie, par exemple réflexologie, drainage lymphatique, ostéopathie? Non, on ne sépare pas la philosophie d'une technique à une technique. Si j'adhère à l'homéopathie, j'adhère à la manière de penser. Une question assez intéressante. Une protection de carbone, une couverture pour éliminer les effets des ondes et de l'eau qui coulerait sous une habitation, est-ce utile? Alors, que dit la parole? J'ai eu un peu de peine avec l'histoire du carbone parce que moi j'avais l'impression qu'on utilisait ce terme pour dire « Seigneur, je mets un carbone pour que je puisse dormir un peu plus longtemps », mais je ne savais pas qu'on les mettait sous les habitations. Alors, j'étais un peu troublée et je m'en excuse auprès de cette dame, mais je ne crois pas que je ne crois pas qu'on puisse comparer la protection de Dieu avec un carbone. Si tu es en moi, je suis en toi, demande ce que tu veux, même la protection de ta maison. Une réinformation cellulaire, peut-on toucher pour s'y débloquer? Non, parce que justement, je vous ai parlé de la cellule. Il y a un créateur. Et ce n'est pas l'imitateur qui va vous débloquer, ou bien, en tout cas, ça ne peut pas jouer. Si je ne vais pas chez mon créateur au retour, je n'arriverai pas à recevoir ma guérison. Comment voir que l'ennemi est à l'œuvre dans les approches? Justement, questionner, oser questionner vos thérapeutes en sachant qui ils servent. Quelles sont leurs valeurs? Osez, c'est de votre droit. C'est important que vous fassiez. Vous n'ayez pas peur de la vérité. Bien sûr que certaines diront « Oh, mais je suis tellement attachée à cette thérapeute, elle est tellement gentille, c'est tellement doux, c'est tellement plaisant. » Est-ce que vous voulez la complaisance, le compromis, ou vous voulez la vérité? La vérité vous rendra libre, je vous le répète, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Osez la vérité. Que pensez-vous alors de la médecine traditionnelle? Comment savoir que le médecin qui vous soigne ne pratique pas avec le diable? Alors moi j'ai envie de dire priez pour votre médecin. Priez pour que le Saint-Esprit vous révèle, parce que là aussi, si vous êtes une enfant de Dieu ou si vous voulez appartenir à Dieu, que vous disiez, mais Seigneur, mais montre-moi, mets-moi la conviction, vous savez, le cœur. Et du reste, la Bible dit, tout ce qui n'est pas conviction est péché. Si vous allez chez quelqu'un, vous savez qu'il chatouille le pendule, médecin ou pas médecin, puis que vous continuez à aller, vous n'êtes pas dans la meilleure des situations, parce que le Seigneur vous dit, sondez, comparez, et puis vous avez des personnes autour de vous qui peuvent avoir fait une expérience de ce type-là. Encore une question. D'accord. Oh, il y en a beaucoup. Pouvez-vous approfondir sur la libération de l'emprise du démon? Oui, ça c'est une question épineuse, je ne suis pas tombée sur la bonne là. Oui, j'ai soulevé ça parce que par souci de transparence, d'honnêteté face à vous, ayant touché à toutes ces choses. Comme je vous dis, quand on touche au monde des ténèbres, le monde des ténèbres a des droits sur nous.
Et il y a des gens, il y a des serviteurs de Dieu qui ont reçu le discernement et qui peuvent aider à cela. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut que ça. Il faut être libéré, être prêt à comprendre pourquoi l'ennemi a des droits sur notre vie. Pourquoi est-ce qu'il a pris place dans mon corps? Parce que c'est vrai, il peut y avoir des maladies qui sont issues simplement par un mauvais esprit. Il faut vraiment être très attentif d'être au bon endroit. Et je crois qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous conduire. Comme il l'a fait avec moi. Moi, je ne savais pas qu'il y avait ce ministère. Dieu est puissant et puis il vous aime. Et je ne pense pas qu'il vous laissera avec des interrogations. En tout cas, merci pour votre attention. Et pour celles qui auraient besoin de plus d'approfondissement, eh bien, approchez-vous. Peut-être qu'il y aura aussi une question très courte, mais avec toute nuance, je répondrai. Merci. Bonne fin de journée.